Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite de Sons of the Forest. Alors, j'ai fait un peu de. J'ai fait quelques petits trucs. Deux, trois petites escapades. Tiens, je vais peut-être aller chercher du matos par là, vite fait. À l'hélico, j'ai été farfouillé. Alors, il y avait un campement Rikiki, donc avec. Il y avait quoi? Il y avait trois petites tentes. Et un cannibale, je l'ai refroidi, j'ai flanqué le cadavre à la flotte, j'ai vidé le camp. Ni vu ni connu, je me méfie qui. C'est quoi ça? Il y a un grand type là ou c'est moi? Oh là 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 là. Oh là. Ok, là par contre ça va être un problème. Et donc aujourd'hui, on va peut-être faire un peu de spéléo sur la cave à laquelle j'avais pensé hein, la première fois. Ah, j'ai plus assez de place pour les grenades. Plus assez de place pour ça non plus. Du fil électrique, parfait. Ampoule, pile, yes! Un petit caillou. J'ai besoin de petits cailloux, donc ça m'arrange. Y'en a pas d'autres? Si. Parce que j'ai besoin de ça pour faire... des flèches, vu que je me suis fait un arc et des flèches, on sait jamais, ça peut être pratique. Par contre, je suis pas fou, j'ai vu une espèce de grand gaillard. Est-ce qu'il est toujours dans le coin ou est-ce qu'il s'est barré? Je sens que pour l'hiver, je vais être obligé de couper des arbres et faire une... et comment dire, fortifier la zone? Alors ça devrait être faisable. Je pense que si je fortifie, je mets jusqu'ici. Voilà, ça doit être faisable. Bon. Sur ce, le grand gaillard, il est plus là? Je suis pas fou, hein. Il y avait un type qui faisait bien 2 mètres de haut qui était là. Si, pas 3 mètres. Bon. Alors. Et pour faire des flèches, il me faut... J'ai cru qu'il était là, le machin. Alors... Oui, Virginia, je suis content de te voir aussi, tu sais, mais... On va toutes les mettre. On met tout ça. Ah, je peux pas en faire plus. Quoique. Ouais, non. Ok. Donc, il y a une limite de 20 flèches. Bon, c'est pas grave, je peux en faire. Alors. On va partir en explo un peu, mais j'ai une petite idée derrière la tête. Parce que là, je vais faire de l'explo en passant... Alors si le grand type suit le chemin, par contre, je vais risquer de le croiser, donc je vais essayer de pas aller trop vite. J'ai une petite armure d'os au cas où. Alors, il y a une bifurcation en ligne droite par là. On va aller par là, on va suivre le chemin. Il y a une bifurcation un peu plus loin, donc... Alors, un bâton, je prends. Ok, c'est pratique, tiens. Donc, selon les saisons, on a plus ou moins de chances de choper certaines ressources. Ok, il y a un petit campement là. Donc là, le but, c'est de ne pas rester dans le coin trop longtemps. Suivons le chemin. Est-ce que le gars venait de ce campement là par contre? C'était un tout grand quoi, j'en avais jamais vu.
Et ceux-là, normalement, ils font très mal et sont plutôt agressifs. Ce qui est pas étonnant, hein, vu la taille qu'ils font. Bonjour, je fais 3 mètres de haut. Tu veux me faire quelque chose, mon petit gars, avec ton 1,80 m? Non, monsieur. C'est littéralement ça. Alors. J'ai pas encore chopé de lapin et je vais pas gâcher une flèche pour essayer d'en choper un. Hein. Tiens, en parlant de flèches, je vais vérifier un truc. Ouais, non, j'ai les réticules, etc. Ok, mais avec l'arc, apparemment, c'est pas ouf. J'avoue que me balader tout seul dans ces bois, ça me rassure pas plus que ça. Je me sens un peu comme le petit chaperon rouge. Ah, d'accord. Cassez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pour me défendre? Mais bon, à un moment donné. Oh là. Oh. J'ai bien fait de venir ici, j'ai l'impression. Oh, des cordes. Bon, des cadavres, c'est logique. Du tissu, c'est bien. Des os, une bible, je m'en fiche. Du fric, j'en ai pas besoin. J'ai quelques cocktails Molotov s'ils viennent m'enquiquiner aussi d'ailleurs. Ah bah je peux en refaire là. Une montre, je m'en fiche. Tissu. Une tenue. Apparemment. Un crâne, non, j'ai pas besoin. Ok. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé sur cette île. Ok. Ouais, il me fait peur ce con. Il me faudrait un ouvre-boîte, moi, par contre. Alors, on va partir par où? Oups là! Esquive. On va partir par là, et j'ai l'impression qu'il y a une petite crique sur la plage. On va s'y rendre. Et puis, on longera la côte, histoire d'aller jusqu'à la grotte. On fera la grotte. On en ressort. On fait un peu de plage encore. Et puis, basta. Le souci, c'est que ça va me prendre un bon bout de temps. Donc, à mon avis, je vais devoir je vais devoir passer un temps pour éviter de me balader de nuit. Parce que de nuit, c'est non. Je ne cours pas là-dedans. Je ne crapahute pas dans les bois la nuit. Alors, j'ai de la bouffe. Il y a de l'eau ici en contrebas. Da fuck. J'ai cru que j'entendais des voix. Ok. Et monétisation. C'est moi ou je viens de tomber sur une espèce de monstre? Oh, des munitions. Ouais, je vais sauvegarder. On sait jamais. J'en ai trop. Mange ça. Des médocs. Des piles. Je peux plus prendre de piles? Bon.
Ah, j'ai plus place pour ça non plus. Et ça, c'est quoi? Ok. Oh. Ah, je traverse. Ah, c'est un monocycle ce truc? Ah, d'accord, je vois ce que c'est. C'est l'équivalent des trucs pour se balader à la con là qui existe. Que j'ai toujours trouvé complètement idiot. Ça, je la prends. Ça, du champagne. Mais c'est. Y a des espèces de gosses de riches ou quoi qui se baladaient ici? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Wait a minute. Des jumelles, une tenue. De la bouffe. Donc là, on est plutôt bien. Hein, je crois que la petite fête, finalement, ne s'est pas bien déroulée. Je crois savoir ce qu'ils faisaient ici au bord de la plage avec un kayak. On peut dire qu'ils ont voulu prendre leurs pieds. putain. Ça me met mal à l'aise, moi, cet endroit. Je déconne pas, hein, le jeu, il a quelque chose. Ça me met vraiment mal à l'aise. Et ce qui me met encore plus mal à l'aise, là, par contre, c'est que... Waouh! Alors, c'est pratique, hein, mais... C'est pas facile d'utilisation. Bon, en revanche, voilà quoi. Le trajet, tu le fais en 2 secondes. Et la batterie ne se vide pas très vite, ça va. Oui. On va arriver sur zone, hein, sous peu, il me semble. Une tortue de mer. Salut toi. Oh non, je vais pas lui faire de mal, la pauvre bête. Quel est l'intérêt de frapper une pauvre tortue? Une tortue de mer, bien sûr. Hein. Mais à ne pas confondre avec la tortue que je bute tout le temps près de la maison, c'est pas la même chose. Elles sont pas en voie de disparition, les... C'est une quoi? Ici, alors, c'est plus une tortue verte ou kawan, à mon avis. Et les autres, c'est tortue... Comment ça s'appelait? Tortue de Floride. Il me semble pas que les tortues de Floride soient en voie de disparition. Espèce invasive, donc... Et c'est con qu'on sache rien faire avec lui. Il me semble qu'il y avait un peu de matos par ici. Et pas des balles ou un truc du genre. Si c'est le cas, moi je suis preneur. Parce que des balles, j'en ai plus beaucoup. du scotch, je prends. De la corde, j'en ai déjà trop. Nom de Dieu, un ouvre-boîte? J'ai trouvé l'ouvre-boîte! Allez, on va manger une huître. Bah... Non. Je suis désolé, mais j'aime pas les fruits de mer, déjà, de base. Mais une huître... Allez, je prends un truc de Doritos.
plutôt de Cheetos. C'était le docteur Cheetos, c'était ça le truc, non? Avec les céréales. Bon, bah c'est parfait, j'ai un ouvre-boîte. Maintenant, la grotte se trouve juste là. Donc moi, je vais me flanquer devant avec ce petit truc-ci. J'ai vraiment pas confiance du tout. Heureusement que j'ai des piles pour les batteries. Je déconne pas, hein, je stresse. Bon. On va se mettre un petit campement de base ici. On est d'accord qu'on entend des bruits. Hein. Parfait. Les rêves et l'inconscient. Oh, des balles. Une bombe d'oxygène. Oh. Alors, normalement, à l'entrée, je pense qu'on peut éviter d'avoir des saletés sur le dos. Mais c'est peut-être juste une idée comme ça. Ok, ça c'est bon. J'ai combien de balles? J'en ai 10. J'ai 10 balles de 9 mm. J'ai un brick con. Normalement j'avais des cocktails Molotov, ils sont où? Ah, ils sont là. J'ai 6 cocktails Molotov. Je sais pas en avoir plus, ok. J'ai 6 cocktails Molotov. J'ai 10 grenades. Je suis pas du tout rassuré. Puff Cartridge Bait, c'est ça, Therapeutics for Remote Island. Ok, donc l'île est dans une... Et c'est inconnu, on sait pas où elle est. J'ai tellement pas confiance. Ah, et ça c'est dégueulasse, quoi. Il y a des crânes, il y a une espèce de glu. Chauve-souris de merde. C'est moi, oui, un son. Ok, c'est pas moi, il y a vraiment du son. Je vois rien, c'est un peu chiant. Oh merde, abruti. Ok, il y a définitivement une bestiole.
Il va y avoir quelque chose ici où je suis le pape. Vous savez quoi? Je le sens pas du tout cet endroit. Quelque chose à vous, c'est pas possible. Oups. Le mec il va pas par la demi-mesure et en même temps... Ah oh, merde, c'est quoi cette horreur? Oh c'est ignoble. Bon. Ok, ils sont aveugles ces trucs là. Ok, il y en a plus qu'un. Il est où cet enfoiré? Voilà. Ouais, j'ai gâché beaucoup de balles et après. Ah oui, les flèches. Parce que les flèches sont récupérables, ça c'est bien. Ah, je vous jure.
Ah, mais regardez-moi cette horreur. Ah, oh. Ils sont dégueulasses. Mais bon, ils vivent dans des grottes, donc c'est normal, ils n'ont plus le sens. Alors, ils ont l'ouïe, mais ils n'ont pas la vue. Ça, c'est une bonne chose. Ce qui serait une bonne chose aussi, c'est d'arrêter de traînasser, parce que je sais pas comment ça respawn, en fait, dans ces trucs. Et je suis tout sauf serein. J'ai vu un truc qui marchait sur les murs, donc je me dis, ça peut peut-être marcher au plafond aussi. Flipotron au maximum. Alors, il y a à droite et gauche. Je vais d'abord aller voir à droite. Beaucoup de balles, donc il faut que j'arrête. Je tire vraiment comme un cow-boy. Et je pense pas que ce soit une bonne idée. Oh la vache, s'il y a une bestiole dans le coin par contre là. Il y a des grosses bestioles dans le coin, je parie. Oh merde. Dégage. Je l'ai eu. Allez. Je l'ai eu. Alors. Une pile, vite. Et j'ai vu une de ces sales bêtes. Mon armure a encaissé une partie du choc, heureusement. Gage, j'ai munitions pour ça. Oh, c'est dégueulasse. Il a des doigts. C'est bon, j'ai eu. Bon, je peux me faire une armure à la con hein, avec tout ça, mais... J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. La fuck. Je
Ok, la fuck. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas d'eau. Oh merde. Bon, celui-là, on va le laisser là. Tant qu'il me détecte pas, je suis bien. Donc j'ai claqué 5 grenades en tout. J'aurais mieux fait de pas en claquer autant. Ok, ils sont venus par ici. Oh non. Wow. C'est ignoble. Ah, oh, c'est ignoble ce qu'il y a ici. En train de me demander si j'aurais pas dû partir de l'autre côté, moi. J'ai soif, très soif. Sauf que pour la boisson, j'ai pas grand chose. Pas le choix. Bon, ce qui est bien, c'est que les grenades, de toute façon, je sais où je peux en avoir. Il suffit que je coupe, je reload, je coupe, je reload. Trouver quelque chose. On est d'accord qu'il y a. Il y a quelque chose. Vous deux. Ok. Oh. Pistolet paralysant. C'est cool, mais c'est pas ça que je veux. Et par là, c'est cul de sac. Donc je suis obligé de repartir. Ok, mais... Ouf. Ok, je me barre. Je sais pas ce que c'est. C'est gros, c'est moche, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, j'espère juste que les mobs ont pas respawn derrière, sinon moi je suis dans la merda XXL. Et il va falloir que je sorte de là en plus. Ah, dégueulasse. Ah, c'est immonde. Ah, désolé, mais je trouve ça ignoble. Je suis vraiment pas serein. Et si j'avais un fusil d'assaut ou quelque chose de plus gros, je serais plus rassuré. Vite.
peux être sûr. Oh la vache, vous avez faim? Oui, merci, je suis au courant. C'est pour ça que je vais illico. Manger une boîte. Allez. C'est de la bouffe pour chat? Oh. Bon, ça rend la moitié. Là, je me casse. Ça rend la moitié de ma bouffe. Je vais pas me plaindre, hein, mais j'ai mangé du mou pour chat, quoi. Ouais, c'est bien par ici. Donc maintenant, je vais prendre de l'autre côté. Je suis pas assez cinglé. Ça va. Je suis pas assez cinglé pour essayer de faire demi-tour, d'aller me reposer ou quoi. Les médocs font effet, mais c'est pas ouf. Je vais peut-être faire un truc quand même. C'est me mettre une armure. Et me reprendre un médoc. Voilà. On fera juste ça. Aujourd'hui, je vous préviens, ce sera l'exploration, aller sur la plage et puis retour à la Casbah. Pas fou. Ce que je me demande, c'est si les grottes fonctionnent comme des instances et ce qui fait que ça ne... Ça rip... Non, mais dans le sens que ça ne ripop pas. Si ça ripop pas une fois que j'ai nettoyé une salle, bah c'est bien. Cassez-vous! Je suis la justice. Je suis Batman. Zen, Eryx, Zen. J'avais pas vu qu'il y avait des autres, tiens. Bon, il y a un chemin par ici. Je suis paré à toute éventualité. Ou presque. Ce que je vais éviter, c'est de retomber sur un de ces digitigrades. Les piles commencent à manquer. C'est une grotte à monstres ici. Et y'a rien. Ichbin notre assuré. Ichbin repas au fond du cible dans le calvaire. Non, je vous jure, j'ai la pétoche. J'entends des sons bizarres aussi. Alors, j'ai jamais fait de spéléo, donc on va me dire c'est peut-être normal. Oh. Ok. Il y a un passage sous-marin, probablement. Mais pourquoi je sens qu'il y a une cacahuète? Attendez un peu. Y'a pas de bestiole dans le coin, ça va? Ouais, bon, ultra profond. Sans moi. Autant que je sais même pas si on peut...
Si on peut ressortir sur le bord. Tissu. Ça, parfait. Des os, c'est bien parce que justement, je commence à en manquer. Yes, poisson énergétique. Cocktail Molotov. Mais c'est quoi? Oh! L'équipement de plongée! Pourquoi je sens qu'en fait c'est une arnaque? Je sens trop l'arnaque. Non, 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 je sors par où je suis entré, moi. Pas folle la guêpe. Est-ce qu'il y a moyen seulement de... J'ai une idée à la con, là. J'ai une idée à la con. Hop. Attendez. Non, c'est pas ça que je vais faire. Y'a pas moyen de le jeter, ce machin? Ok, c'est juste moi alors. Non, 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 définitivement il y a un truc. Il y a une cacahuète. Mais comment je fais pour remonter par contre? Ah bah, comme ça. Allez, on va ressortir. Ou plutôt on va faire une pause au campement. On va aussi s'alimenter, enfin, boire et manger un peu. Si vous me dites qu'ils font respawn des trucs dans le dos, par contre, là, je gueule. Ça a l'air d'aller. Je peux pas boire ça. Ben non. C'est l'eau dans une grotte. Normalement, j'aurais pu pouvoir la boire. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette tisane? Sérieux? Ok, on arrive ici. On arrive ici. C'est quoi cette merde? C'est la bestiole qui faisait ça? Une sorte de mucus. Dégueulasse. Non, je peux pas m'alimenter apparemment. Enfin, je peux pas boire, quoi. Bon ben, on se casse. On se casse. Apparemment, les entrées des grottes, ça va, ce sont des zones safe. Ça change d'ailleurs de The Forest, ça. Économisons les piles. Ça change de The Forest. Est-ce qu'il y a de la bouffe chez vous? Oh, attendez, c'est quoi ça? Nouvelle localisation découverte, un bunker de divertissement. Quoi?
C'est quoi cette grotte de... C'est quoi cet endroit? Alors, déjà, on sauvegarde. Et maintenant... Le mou pour chat, dégueulasse. On va se prendre une boisson énergétique. On va dormir. Bon, allez, on sort de ce trou. Oh, et la bécane est toujours là. Parfait! Youhou! Attendez, c'est moi ou c'est ma... Il y a des marées, nom de Dieu! Il y a des marées ou c'est moi? Normalement, il y avait moins... Attendez. Non, ça doit être moi. Ça doit être moi, c'est pas possible. Il me semble qu'il y avait pas autant. Si? Non? Peut-être? Cinquante-sept feuilles? Pourquoi? De l'eau douce, de l'eau douce, de l'eau douce. Il me faut de l'eau douce. Oh. Bon, pas grave. Alors, est-ce que je peux aller? Youhou! Voilà, j'ai dit qu'on allait se balader un peu sur la plage. Ah, j'ai l'air dégueulasse avec cette armure. Je vais arriver, Virginia, elle va faire une tête. Ah, un monstre! Bon. J'aimerais bien aller jusqu'à l'autre crique qui se trouve un peu plus loin. Puis après, c'est rot. J'ai failli louper ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh oh! Oh yeah! Une machette! Je suis preneur! Ah, grenade, parfait. Avec nous, grenade? On va se manger quelques nouilles. On va s'en reprendre un peu. Des munitions, oui, ça me va. Oh, un circuit imprimé. Ça, j'en ai déjà trop. Un rail de fusil à pompe. Mais j'ai pas le fusil à pompe. Yes, j'ai ça. J'ai Thornton. Mais les sauvages viennent jamais sur la plage en fait. J'ai l'impression. Donc si je veux être tranquille. Ouais, mais il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau douce pas loin en fait. C'est ça le souci. Il me faut de l'eau douce. Donc. Et en parlant d'eau douce, il m'en faut tout de suite, parce que les nouilles m'ont complètement déshydraté. Donc en fait, on va faire un retour. De toute façon, j'ai récolté énormément. J'ai récolté énormément, je pense que c'est bon. C'est Kelvin. Imbécile, tu m'as fait peur. Je t'ai dit de rester à l'abri. Mais toi, tu viens avec moi, mais t'es cinglé. Ah, là, voilà. Ah, parfait. Alors, c'est super d'avoir trouvé ce petit truc.
Ouais, la batterie est assez longue, ça va. Mais du coup, qu'est-ce que ça m'a noté? Un bunker. Ça, c'est intéressant. C'est dommage qu'on puisse pas mettre une croix sur les objectifs qu'on a déjà faits. Parce que là, voilà quoi. Bon, on va suivre. Oh, on peut se casser la gueule. En même temps, si je regarde pas où je vais. Mais je pense que le mieux, c'est de reprendre la route, de toute façon. Je vais prendre un des chemins. S'il y a un sauvage qui me voit, je vais pouvoir passer devant lui à vitesse grand V. Donc ça devrait pas être problématique. Ah, sauf qu'ici je suis pas sur le bon chemin. Et Virginia me suivait aussi. Alors c'est bien de venir me rejoindre, mais ça aurait été mieux d'être avec moi dans la grotte alors. Il a pu m'aider, je sais pas. Alors là, le tout, c'est de pas tomber sur des sauvages, enfin sur des cannibales en douce. C'est le pire truc qui pourrait arriver. C'est le camp où j'étais passé l'autre fois, ça. Il est là. Il est là, donc moi je vais essayer de passer à travers le bois. Avec ce truc. Discrétion zéro, mais je m'en fiche. Ce qui compte là pour moi, c'est plus de pas me faire choper. Le mec il va se prendre tous les arbres, aïe aïe aïe. Voilà. Voilà, j'y arrive. Oum sutum. Voilà. Bon, donc, prochaine étape. Fortifier. Parce que, à mon avis, des saletés, il va y en avoir dans le coin. Donc, va falloir que je commence à. Alors que je commence à fortifier la zone. Alors, autant par ici. Je sais pas comment je vais faire, je verrai ça à l'usage. Ah oui, j'ai fini le mirador finalement. À mon avis, la fortification, je la ferai en commençant par en dessous. Je mettrai les murs à partir d'ici, ce sera très bien. Ou à partir du bord là, je verrai bien. Mais je vais devoir faire une muraille. Parce que vu les bestioles qu'il y a sous terre, si ça monte à la surface, j'ai pas envie de regarder ma fenêtre et puis d'être là. Oh tiens, bon. Bonjour monsieur multiple doigt, comment allez-vous? Pardon, c'est vraiment pas le mot. Bien. Eh ben écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Voilà, on a fait une bonne partie. Je vais faire une sauvegarde ici.
Et je vais vous dire à la prochaine fois. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.